la politique sociale de demain. Bienvenue à vous à cette table ronde qui se déroule de manière un petit peu particulière compte tenu des conditions sanitaires actuelles. Mais bon, on va essayer de prendre les choses du bon côté. Surtout, vous vous installez bien dans votre fauteuil, sur votre chaise, devant votre ordinateur, dans votre canapé, pourquoi pas dans votre lit puisque personne ne nous voit. Et puis, vous prenez un petit quelque chose à grignoter parce que c'est vendredi soir, un truc un peu sympa à boire. Pour tout le monde, la semaine a été quand même passablement compliqué et on a tous besoin d'un petit remontant. Et si je vous dis tout ça, c'est parce qu'il vous faut le faire maintenant, car bientôt vous n'allez plus pouvoir décoller tellement notre débat va être passionnant. En raison évidemment de la qualité des intervenants de ce soir, que je ne vais pas tarder d'ailleurs à vous présenter, mais aussi en raison des thèmes ô combien d'actualité que nous allons aborder ce soir. Car les politiques sociales doivent devenir de plus en plus agiles et rapides pour faire face à deux tsunamis qui nous touchent déjà. Le premier, évidemment, c'est le dérèglement climatique, avec en guise de mise en bouche un petit virus bien sympathique. Et puis le deuxième, c'est la quatrième révolution industrielle avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Du coup, les défis en termes de politique sociale sont très nombreux. Question de chômage, question sanitaire, question de réorientation professionnelle, question également de financement de ces politiques. Voilà, ça c'était pour vous mettre l'eau à la bouche. Maintenant, vous ne bougez plus de vos écrans, vous êtes bien installés, et puis vous pouvez évidemment réfléchir à des questions que vous pourrez nous poser via l'application que vous utilisez pour nous regarder. Si nous sommes ici, c'est surtout aussi à l'occasion de la parution de ce livre, le Dictionnaire de politique sociale suisse, 600 pages, c'est assez lourd quand même, 245 experts qui ont publié ça aux éditions Seismo, on les remercie ces éditions qui organisent ce débat, merci aussi à UNIGE pour l'accueil. Ce dictionnaire comprend des contributions qui toutes ont été rédigées avant la pandémie. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est d'actualité? Alors moi, je me suis amusée non pas à tout lire, mais à lister quelques titres d'articles. Flexibilisation des rapports de travail, hôpitaux, inégalité de santé, pauvreté invisible, équité intergénérationnelle, assurance chômage, j'en passe et j'en passe. Jean-Michel Bonvin, en fait, c'est un dictionnaire prémonitoire sur toutes les conséquences du confinement, de la pandémie. Vous avez été visionnaire avec ce dictionnaire. Alors, vous pouvez bien imaginer qu'on n'avait pas en tête, au moment où on a travaillé sur ce dictionnaire, qu'il y aurait une pandémie qui viendrait au moment où le dictionnaire serait publié. Donc, évidemment, on a fait un travail de fond qui visait à montrer l'importance de la politique sociale pour l'existence des personnes, pour le bien-être des personnes, essayer de faire de la politique sociale quelque chose qui dépasse des enjeux techniques un peu ennuyeux. Hein, quand on parle de prestations complémentaires de l'AVS, de l'AI ou des choses comme ça, on a l'impression que c'est très technique, ça ne nous concerne pas, mais en fait ça touche le cœur de nos vies, ça touche le cœur de nos sociétés, et donc on a essayé de mettre en avant ces enjeux-là et essayer de faire, vous voyez, dans chaque rapport qui est publié au niveau politique, on a toujours deux pages de synthèse au début qui s'intitulent « L'essentiel en bref ». Eh bien, nous, on a pris 250 concepts qui nous apparaissaient comme étant fondamentaux en matière de politique sociale, puis on s'est dit « on va faire pour chacun de ces concepts l'essentiel en bref ». Donc on va montrer d'où vient la politique sociale dans tel ou tel champ, quelle est l'épaisseur historique dans laquelle elle s'enracine. On va montrer où on en est maintenant, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, comment elle s'articule avec des éléments ou des enjeux économiques ou sociétaux, des choses de ce type-là. Et puis surtout, on va aussi montrer en quoi, quels sont les enjeux auxquels on doit répondre, quels sont les défis devant lesquels nous sommes placés. Donc montrer que la politique sociale est un enjeu et un défi de notre temps. Et à ce titre-là, je pense que oui, on a été prémonitoire. Donc on a fait un ouvrage qui est fondamental et très important pour les discussions qui nous concernent maintenant et pour essayer d'affronter au mieux les défis économiques et sociaux qui sont liés à la situation de pandémie actuelle. Ouais, c'est presque une bible, hein. Je crois qu'il y a même un article sur l'amour du prochain. En effet, vous voyez que finalement c'est très large et que... Alors laissez-moi maintenant... vous présentez les intervenants à cette table ronde. Allez, je vais commencer par Madame Joëlle Libois. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation des adultes, directrice de la Haute École de Travail Social de Genève, et vous avez travaillé dans le social. Vous avez une pratique de travail social. Thierry Apotello, vous êtes conseiller d'État genevois, chargé du département de la cohésion sociale. Vous êtes également président de l'Association des communes genevoises et vous avez également un passé d'éducateur social.
Et puis Blaise Maté, vous êtes directeur général de la FER Genève, donc la Fédération des entreprises romandes. Vous êtes également membre d'Économie Suisse, de l'UPS, dont l'Union patronale suisse, ainsi que de l'USAM, l'Union suisse des arts et métiers. Jean-Michel Bonvin, que je vous présente quand même. Vous êtes professeur de sociologie et de politique sociale à l'Institut de démographie et socio-économie de l'UNIGE. Vous avez dirigé la publication de ce dictionnaire. Vous n'étiez pas tout seul, vous étiez avec Valérie Huguen-Tobler, Carlo Knopfel, Pascal Méder, Uli Teglenburg, des collègues alémaniques, parce qu'il faut préciser que ce dictionnaire, qui est une troisième édition, pour la première fois, sort simultanément dans les deux langues nationales, en français, en allemand. Pareil, que vous avez eu quelques petits problèmes de traduction sur certains concepts. Oui, alors bon, il y a des problèmes. Enfin, la traduction a été effectivement quelque chose de très épineux, parce qu'il faut bien voir que l'ouvrage allemand est la traduction exacte de l'ouvrage français et vice-versa. Et donc, on a demandé à un certain nombre d'auteurs d'écrire leurs concepts en allemand, qu'il a fallu ensuite traduire en français. Je dirais qu'à peu près 60% des concepts étaient rédigés dans la langue originale allemande et 40% dans la langue originale française. Et effectivement, il y a des concepts qui ne se traduisent pas de la même façon et où il faut trouver des contorsions ou d'autres manières de travailler. Le concept qui est mentionné aussi dans l'introduction et qui est un peu emblématique par rapport à ça, c'est le concept de Selbsthilfe, aide-toi toi-même ou céder soi-même ou la débrouille ou je ne sais quoi. Le démerdenzisich, c'est ça ? Exactement, et donc qui en français ne se traduit absolument pas par cette idée de débrouille, mais par l'idée d'entraide, donc qui fait beaucoup plus référence à l'appartenance à un collectif, à une forme de mutualité, de réciprocité ou ce genre de choses. Et la traduction a aussi entraîné d'autres éléments ou d'autres défis pour nous, c'est que les réalités sociales ne sont pas les mêmes suivant que vous êtes dans des cantons romands ou dans des cantons alémaniques. Parfois, le social ou le travail social ou les politiques sociales peuvent être organisées de manière communale, c'est plutôt le cas dans les cantons suisses alémaniques, et plutôt de manière cantonale ou plus centralisée, si on veut bien, ce qui est le cas dans les cantons romands. Donc il faut tenir compte et traduire ces réalités-là quand on fait de la traduction. Et puis quelque chose qui... Évidemment, enfin, le français et l'allemand ne sont pas les langues les plus simples. Hein. On est souvent un petit peu contorsionné et un petit peu compliqué. Donc la traduction littérale aurait été une catastrophe. Et il a fallu parfois faire un petit peu trouver des périphrases ou des éléments un peu plus élégants pour rendre l'idée des auteurs en question. Mais c'était un beau défi et je crois que le résultat est bon et on peut être fier de ce résultat. Merci en tout cas à vous tous de participer à cette table ronde qui aura trois parties. On va commencer par parler de l'actualité de ces politiques sociales dans le contexte actuel de pandémie. On abordera ensuite les défis à venir pour ces mêmes politiques. Et puis, on essayera de nous demander, pour terminer, si c'est peut-être le moment, ce moment de crise, pour essayer de remettre à plat, de repenser ce système. Alors, allez, on y va, on se lance. Premier impact des politiques sociales en lien avec la pandémie. La première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est cette image, j'imagine qu'on a tous en tête et qu'on espère ne pas revoir, c'est ces files de gens qui venaient à la patinoire des Vernets chercher des paniers de nourriture. Cette pauvreté invisible qui tout d'un coup devenait visible. Je crois que vous, Thierry Apotello, vous étiez sur place. Quels souvenirs vous gardez de ça ? Comment ça vous a marqué ? D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Avant de répondre à cette question, si vous me le permettez, j'aimerais saluer le travail de ce dictionnaire de politique sociale suisse pour plusieurs raisons, mais je vais n'en citer qu'une pour être rapidement sur votre question. On a besoin en Suisse, on a besoin dans le monde du travail social de valoriser le travail social. On a l'impression que c'est une animatrice, un animateur en maison de quartier joue au ping-pong, qu'un assistant social il gère des papiers et des finances. Or, tous les concepts que nous avons dans ce document montrent que l'ensemble des éléments ont du sens. Et ça, pour moi, un élément fort, c'est que ça réhabilite, en tant que faire se peut, les éléments de notre réflexion sur la cohésion sociale, parce qu'on s'appuie sur des éléments qui ne sont pas juste inventés par un monde politique, mais qui sont construits par les académiques, par les travailleurs sociaux de terrain, évidemment aussi animé et pensé par les politiques, mais au moins on a quelque chose, un socle fort, et je sais que les futurs, comme les actuels travailleurs sociaux, auront l'occasion de se repencher sur la définition de ce qu'on entend par cohésion sociale, par insertion professionnelle, comment est-ce qu'au fond on pense, et ça sera la troisième partie du débat, le futur, mais en partant de ce qui existe, de ce qui a été pensé. Et donc je voulais me permettre en effet de remercier le travail
qui est extrêmement pertinent et qui va m'être aussi très utile dans l'exercice ensuite de l'évolution des politiques sociales ou des lois, en tout cas, qui régissent le canton de Genève s'agissant des normes sociales. Pour répondre à votre question s'agissant de la situation que nous avons vécue au printemps à la patinoire des Vernets, j'y suis allé en effet tous les samedis, soit pour donner un coup de main, soit pour aller à la rencontre des personnes concernées, soit aussi pour rencontrer les nombreux bénévoles qui étaient là. J'ai été traversé par plusieurs sentiments. Un sentiment incroyablement de dignité des personnes que j'ai rencontrées. J'ai trouvé vraiment le fait qu'elles osent pouvoir aller sur place montrait aussi la nécessité de la visibilité. J'apprécie votre terme, car vous l'avez dit, je suis un travailleur social de formation. C'est pas nouveau pour moi que d'apprendre qu'il y a des milliers de personnes en précarité à Genève, encore plus des invisibles s'agissant des papiers qui existent ou pas. Et pour moi, ça a été un peu, hélas, la confirmation en même temps de ce qui existe et aussi de montrer à la face du monde que notre ville, aussi riche soit-elle, rencontre des difficultés à l'insertion sociale d'un certain nombre de personnes. J'ai été traversé par beaucoup de colère aussi, de révolte, de la façon dont certains employeurs se sont comportés vis-à-vis de ces personnes, oubliant effectivement qu'ils avaient une responsabilité dans leur contrat de travail. Même 2 heures de ménage chez quelqu'un, ce quelqu'un est un employeur et il a des responsabilités. On a trop vu effectivement de personnes qui ont oublié qu'ils avaient des responsabilités. Un élément très fort aussi autour du fait que les gens qui étaient présents montraient un intérêt de travailler avec plusieurs options. Le sanitaire, évidemment. Les questions de santé, les questions économiques, les questions de logement, les questions d'accès aux prestations sociales. Et pour terminer sur ce dernier point, on a pu mettre en lumière aussi, grâce à malheureusement ce qui s'est passé, le fait qu'il y a un des trous dans les mailles sociales, mais aussi que, au fond, quand on prend des décisions, quand il y a des normes fédérales qui explicitement disent que des personnes qui sont à l'aide sociale d'une manière importante et durable peuvent voir leur permis être refusé, être rétrogradé, on passe d'un permis C à un permis B, voire d'un permis B à un permis F. Tout ceci parce qu'on a des personnes qui ont des besoins d'accompagnement social et d'accès à des prestations financières, eh bien, montre qu'une loi fédérale qui a été votée, la loi sur les étrangers et l'intégration, a des conséquences très directes sur notre terrain social. Donc c'est inévitablement aussi pour moi, et je terminerai par là, l'envie de me battre, de trouver des solutions. Et c'est là que votre débat est particulièrement pertinent, c'est qu'effectivement le monde légal, législatif, dans le domaine social, qu'il soit suisse ou genevois, a de la peine à être agile. Parce qu'il y a à peu près 42% des personnes qui fréquentaient la patinoire des Vernets qui n'avaient pas de permis ou pas de papiers légaux à Genève et pour lesquels, effectivement, les prestations sociales ne sont pas prévues. Donc on a une difficulté très concrète à verser. C'est grâce à la chaîne du bonheur, à des fondations privées, à la mobilisation de Genevoises et de Genevois, mais la prestation sociale ne leur est pas ouverte. On a vu aussi des métiers indispensables qu'on a beaucoup applaudis, qui se retrouvent aussi aujourd'hui, je vous regarde, Madame Joëlle Libois, qu'on se retrouve aujourd'hui dans la rue, parce qu'elles ont demandé, ces infirmières, ces infirmiers, tout le personnel soignant, à être mieux payé. Et voilà, pour l'instant, c'est encore en discussion, on voit que rien n'est résolu. Ça a été aussi une prise de conscience de l'importance de certains métiers pour notre vie en commun et du fait que ces métiers sont quand même très mal rémunérés. Là, c'était un peu la deuxième baffe. Oui, alors effectivement, alors on a beaucoup parlé des métiers de la santé qui étaient vraiment au front. Personnellement, j'ai regretté que le social soit moins visible parce que le social était aussi au front et d'une autre manière sur une durée. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans la prestation de soins directs ou de soins de la maladie physique, mais on est dans quelque chose qui va être sur une durée, je dirais, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans.
on voit des problématiques de santé mentale qui sont vraiment très, très inquiétantes. Et que la pauvreté, la précarité, eh bien effectivement, c'est de pouvoir avoir à manger, évidemment, hein, le premier élément, ne pas tomber malade trop fortement physiquement, mais toute la question de la santé mentale derrière, de l'isolement, de la perte de liens sociaux, c'est une problématique, mais vraiment majeure, dont on parle très très peu. Et pour moi, c'est un vrai souci, quand je le vois aujourd'hui, et encore en venant aujourd'hui, en voyant les gens dans la rue, aussi toutes les personnes sans abri. J'ai vu aussi, dans notre école, on distribue aujourd'hui des colis qui font référence à ce qui s'est passé au printemps pour les étudiants. Eh bien, hier, il y avait 180 étudiants qui faisaient la queue, et je vous assure qu'ils n'étaient pas là par hasard. Et quand vous parliez de sentiments, j'avais une tristesse énorme, mais vraiment, de voir ces étudiants dans le besoin dans lequel ils se trouvaient. Et je me disais, mais c'est pas possible, on est à Genève. On est à Genève et on a un nombre d'étudiants qui n'arrivent pas à avoir suffisamment à manger pour la semaine. Donc, il y a cette problématique de la santé physique, qui est très importante bien évidemment, mais il y a cette problématique dans la durée de santé mentale, de déficit, d'isolement, qui est problématique et une problématique majeure pour la cohésion sociale, parce que toutes ces personnes, elles vont être dans une révolte à un moment donné. Et les travailleurs sociaux, évidemment, ben, ils sont au front dans la durée, ils doivent accompagner dans la durée ces personnes-là. Et là, je pense qu'effectivement, peut-être qu'on travaille avec des personnes invisibles, pour reprendre ce terme. Eh bien, les travailleurs sociaux, ils sont souvent aussi invisibles. Mais je crois qu'on peut vraiment aussi les applaudir par rapport à tout ce qu'ils produisent aujourd'hui dans l'accompagnement au quotidien. Et ce que vous nous dites, c'est qu'ils n'ont pas fini d'avoir du travail et d'avoir des personnes dont ils devront prendre soin. Ce qu'on a vu aussi, et ce qu'on continue à voir, et ça c'est plus étonnant, je me tourne vers vous Blaise Matté, c'est des entreprises, c'est des petites PME, c'est des patrons qui demandent du soutien. Vous me disiez tout à l'heure, j'ai encore des téléphones de gens qui sont vraiment très mal. On avait l'idée que jusqu'à présent, c'était voilà, les gens qui n'arrivaient pas trop bien à s'insérer dans le monde, qui avaient besoin d'une politique sociale. Et là, c'est toutes les entreprises qui tapent à la porte du Conseil fédéral. Oui, écoutez, je pense qu'il y a un malentendu très profond, souvent d'ailleurs répandu dans les milieux sociaux, sur ce qu'est l'entreprise. Il y a beaucoup, et ça ne date pas de la crise du Covid, beaucoup de petits patrons qui gagnent parfois moins que leurs employés. Je crois qu'il faut être conscient de ça. Alors peut-être que c'est quelque chose qui est une évidence pour certains d'entre vous, mais que je me dois de rappeler. Très souvent, on voit forcément le chef d'entreprise que quelqu'un qui vit aisément, sans difficulté, qui peut se permettre de travailler moins que ses employés. C'est tout le contraire. La réalité du métier d'entrepreneur est une réalité dure, qui vous prend dans les tripes tous les jours, en permanence, qui implique des responsabilités. La réalité de l'écrasante majorité des entreprises, c'est ça. Alors, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut compatir en toutes circonstances par rapport à cette réalité-là, mais lorsque vous êtes atteint par une crise comme celle du Covid, il ne faut pas être étonné qu'à un moment donné, la politique sociale, ça soit une politique économique. Parce que finalement, et dans tous les ouvrages qui sont publiés sur le sujet, cet excellent dictionnaire d'ailleurs, on est la preuve. Le premier des liens que vous créez, la première des choses qui permet d'éviter que vous soyez isolé, c'est le travail. Donc l'idée d'avoir un recours accru au RHT, de les prolonger, de mettre en place des compléments pour les indépendants ou pour les chefs d'entreprise, c'est une mesure discutable par rapport à la théorie générale d'ailleurs de la sécurité sociale, mais on ne va peut-être pas entrer sur les aspects techniques. Cette idée-là, elle était destinée principalement non pas aux chefs d'entreprise, mais à la communauté de l'entreprise, aux employés, précisément pour éviter qu'ils se retrouvent dans la précarité. Donc la première des dimensions sociales, c'est aussi une dimension économique, et le fait d'interagir entre l'un et l'autre est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. À l'inverse, évidemment que sans politique sociale, vous n'avez pas de performance économique. C'est d'ailleurs le WEF lui-même qui le dit chaque année. Donc on mesure votre performance économique aussi à raison de la capacité que vous avez à mettre en œuvre une politique sociale. Mais on a et ça, je tiens beaucoup à insister là-dessus, parce que effectivement, les situations de désespoir actuellement, elles ne sont pas le fait d'une partie de la population en particulier. Elles sont généralisées. Et ça pose toute la question de savoir
si on va pouvoir se permettre de passer cette pandémie sans un certain nombre de risques sociaux qui, au fond, finalement, seront des risques qui dépendront aussi de la situation économique et de notre capacité à faire en sorte que l'appareil de solidarité continue à être financé. Je crois que M. Apotello le sait bien, puisqu'il vit avec ses problématiques au sein de son exécutif en permanence. Mais on a quand même souvent ce discours, cette opposition, l'idée que la politique sociale, ça coûte cher et que, du coup, les milieux économiques sont plutôt réticents. Voilà, il faut, c'est pas le Selbsthilfe, traduit littéralement le Demerden sich, mais on est des fois un peu en Suisse dans cette idée-là. Est-ce que vous avez l'impression que cette opposition, qui est peut-être caricaturale, elle est dépassée, que l'un et l'autre vont ensemble? Tout mon discours depuis de nombreuses années, j'ai été député aussi avec M. Apotello, donc il le connaît, tout mon discours a consisté à ne jamais opposer l'un à l'autre. J'étais au Vernet 3 fois, donc j'ai aussi assisté à cela. Je me suis posé des questions sur notre politique migratoire. À un moment donné, il faut aussi se demander si elle est suffisamment sérieuse pour éviter des dérives. Il faut savoir qu'il y avait au Vernet aussi. Moi, j'y suis allé pour m'assurer de la chose. Je partage complètement le constat de la dignité. Et je suis le premier à dire qu'on ne laisse pas les gens à la rue. Mais il n'est pas surprenant qu'à l'heure actuelle, il y ait un débat politique sur le fait qu'on veut mettre sur un pied d'égalité les personnes qui sont dans des situations d'illégalité migratoire et nos chefs d'entreprise. On doit avoir ce débat, qui est un débat sain à l'heure actuelle, pour déterminer quelle est la part de la politique migratoire qu'on veut. Parce que notre politique migratoire, je tiens à le rappeler, et en particulier avec l'Union européenne, elle est basée sur le principe du contrat de travail. Donc, après, la question de la rupture du lien de travail est une autre affaire. Mais vous avez aussi, et je le comprends parfaitement, pour la moitié de moi, je suis fils de famille de migrants, hein, je connais cette problématique, eh bien, vous avez un besoin d'aller chercher du travail, ce qui ne veut pas dire forcément que vous allez le trouver, ce qui veut dire aussi que vous prenez un risque par rapport à cela. Et donc toutes les sociétés dans lesquelles on a ces phénomènes migratoires sont confrontées à ces difficultés, parfois de manière exacerbée. Et donc à un moment donné, vous devez essayer de maintenir ces équilibres entre la politique économique et la politique sociale. Donc c'est la raison pour laquelle, oui, depuis des années, j'essaie de prendre les choses par toutes sortes d'angles complémentaires et pas en opposant l'un à l'autre. Je suis quand même frappé dans ce pays par cette espèce d'aversion généralisée qu'on a à l'égard du monde de l'entreprise, mais en soulignant volontiers à tout bout de champ qu'on est un pays très riche et très performant économiquement. Donc j'ai parfois de la peine à vivre avec cette contradiction, je ne vous le cache pas. Mais on a beaucoup entendu les indépendants, enfin il me semble qu'il y a eu quand même une grosse solidarité avec les PME et tout. Vous avez vraiment l'impression d'être pris pour des boucs émissaires? Vous savez, si vous parlez maintenant des questions de rémunération, je mets de côté la question du personnel de soins. Je pense aux nettoyeurs, je pense aux étudiants que Madame vient de citer. On a pris une décision relativement claire qui était de voter un salaire minimum à Genève. Très bien. Moi, je me suis occupé de fondations qui font de l'intégration. Pendant de nombreuses années, je me suis occupé de ça. Le problème n'est pas si simple. Quand vous avez des problématiques de qualification professionnelle, quand vous avez des problématiques de performance au travail sans que la personne n'y puisse rien, vous devez avoir une réponse nuancée. Une partie du problème qui vient maintenant, c'est un problème d'entrée sur le marché du travail par rapport à la rémunération. Donc le choix est fait et je le respecte pleinement. Mais la question de savoir si vous voulez faire en sorte d'avoir des seuils d'entrée dans le marché du travail, il ne faut pas évidemment que ces seuils ne soient pas dignes, mais ils soient suffisants pour permettre à la personne de travailler, c'est une question qui se pose maintenant de manière sérieuse. Et moi, je compatis pour les étudiants qui avaient des petits jobs et à qui on a dit ces derniers temps, d'abord parce qu'il y a la crise Covid, tu ne peux plus venir travailler comme tu le fais avant, et puis deux, si tu viens travailler, je m'excuse de te dire, mais à 23 francs, je ne peux pas te prendre. Voilà, on n'a pas été dans la nuance dans cette affaire-là, je le regrette profondément, ça n'est pas la loi neuchâteloise, c'est une loi genevoise. Et comme toujours à Genève, on fait les choses de manière un peu plus rigide qu'ailleurs. Je le regrette, mais il y a quand même, et vous pouvez le comprendre du côté des PME, des facteurs qui font qu'à un moment donné, vous vous dites que la barrière d'entrée dans l'exercice de la profession, de chef d'entreprise, ou la barrière qui vous permet d'exercer cette activité, est fixée à un degré tel que véritablement, vous devez renoncer à une partie de ces activités. Ça, c'est la réalité avec laquelle on vit, clairement, depuis un certain temps.
Jean-Michel Bonvin, je me tourne vers vous. Quand on parle de cette tension qu'il peut y avoir entre le monde de l'économie, de l'entreprise, entre la politique sociale, on l'entend aussi des points de vue différents. Vous me disiez, par rapport à ce dictionnaire aussi, qu'il y a tout un historique, une évolution de ces relations. Vous me disiez, dans les années 80, on était plutôt dans une politique d'aide envers des acteurs plutôt passifs. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une politique d'investissement, en disant, en fait, la politique sociale, c'est un investissement pour l'avenir. C'est parce qu'il faut convaincre des gens comme M. Maté que vous avez dû changer un peu, ou bien c'est une autre manière de gérer ces politiques? Non, je crois que les liens entre le monde économique ou le souci de prospérité économique est tout à fait légitime, et le souci de justice sociale ou de réduction des inégalités sont des liens qui sont très complexes et qui ont évidemment, tout au long de l'histoire, épousé des formes qui étaient différentes. Il y a eu, à partir des années 80, on va dire, une critique qui était plus forte d'une certaine forme de politique sociale qui visait à verser des indemnités aux personnes qui avaient perdu leur emploi. Donc vous avez des personnes qui perdent leur emploi et qui doivent être indemnisées. Et à partir des années 80, on s'est dit, ce qui n'était pas le cas auparavant, pendant la période des Trente Glorieuses, que ces indemnités, si elles n'étaient pas accompagnées par un devoir de chercher un emploi, par un devoir de collaborer, de tout faire pour retrouver un emploi, pouvaient être considérées comme des indemnités passives. Et le mot passif a un côté très péjoratif. Vous voyez, c'est pas dire qu'une indemnité est passive, c'est pas la mettre en valeur d'une certaine façon. Donc il y a eu une forme, à un moment donné, de dévalorisation assez importante de ces politiques sociales d'indemnisation et de valorisation, par effet de ricochet, des politiques sociales de ce qu'on appelle remarchandisation, donc de formation, de développement du capital humain, faire en sorte, tout faire pour que l'individu ou la personne retrouve un travail. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a sans doute été assez loin dans ça, parce qu'on a vu une forme de vase communicant entre les deux. Ça veut dire moins, il faut indemniser le moins possible pour ne pas créer des trappes de dépendance, comme on appelle ça. C'est-à-dire, si vous donnez trop d'argent facile aux chômeurs ou aux gens qui recherchent un emploi, ces gens vont s'installer dans la prestation et ne vont plus faire tous les efforts pour retrouver un emploi. Donc, il y avait une forme de c'est comme si c'était un trade-off. On ne pouvait pas avoir les deux. Si on indemnisait trop, on risquait de faire des dépendants, des paresseux, et donc on n'allait pas remettre les gens en emploi. Et il y a eu cette vision très, très opposée de l'économie et du social. Et je dirais, heureusement, on est sorti de ça, et je suis particulièrement content que M. Maté le confirme, et donc qu'en fait, il y a cette vision de la politique sociale comme étant quelque chose qui n'est pas forcément contraire à l'économie, mais qui peut aussi servir à l'économie, qui peut être la base d'une prospérité économique, et donc d'avoir non pas cette vision de vase communicant, de l'un contre l'autre, hein, si vous voulez, si on fait de la politique sociale, on va être contre la prospérité économique ou l'efficacité économique, mais au contraire, de montrer que la politique sociale est une base de notre société, de notre cohésion sociale et de notre prospérité économique. Et je pense, le dictionnaire le montre très bien aussi, jouer la politique sociale contre l'efficacité économique, c'est d'un simplisme, c'est vraiment sursimplificateur et ça ne correspond pas du tout à la réalité. La politique sociale n'est pas quelque chose qui va contre l'économie, c'est quelque chose qui est une condition, je dirais presque sine qua non, d'un bon fonctionnement de l'économie et qui permet aussi de peut-être corriger le fonctionnement économique quand il génère trop d'inégalités, trop d'inéquités. Et donc les rapports sont beaucoup plus complexes que simplement ces rapports d'opposition qu'on entend trop souvent dans le débat politique, mais que je suis très heureux de voir que M. Maté ne partage pas. Alors justement, je vous propose d'entrer dans la partie qui va concerner les défis de la politique sociale. Je me retourne vers vous, ça va être le chômage. Quel écho est-ce que vous avez des entreprises, les faillites, enfin avec cette deuxième vague qui arrive, qui paraît encore plus dure que la première, ça va faire, j'imagine, très mal. Oui, écoutez, on espérait évidemment une deuxième vague, mais pas de la nature qu'on voit actuellement. C'est certain, tout le monde est surpris par l'ampleur du désastre, et ça va avoir des conséquences économiques, c'est certain. Maintenant, je pense que si on a mis tout le dispositif en place, il faudra le faire durer le plus longtemps possible, de manière aussi fine que possible d'ailleurs, c'est justement dans le but d'éviter un tel désastre. Un jour ou l'autre, ce virus passera. Nous repartirons, et j'espère qu'on partira pas trop tard, avec notre appareil de production. Et le pire qu'on puisse faire, c'est de détruire un appareil de production. Je crois que les conflits mondiaux l'ont montré de manière extrêmement cruelle.
La Suisse doit d'ailleurs une partie de sa prospérité au fait que son appareil de production était intact à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir aussi d'où vient notre prospérité. Alors évidemment, si on ne l'avait pas renouvelé, si on n'avait pas investi, on n'en serait pas là non plus. Et puis, ce n'est plus le même, bien entendu. Mais je crois que cette leçon de l'histoire est extrêmement importante. Quant aux signaux, alors il y a une sorte de paradoxe. D'abord parce qu'il y a des secteurs qui vont plutôt bien, et puis il y a une série de secteurs qui vont moins bien. Je pense que des secteurs dont on parle peu à l'heure actuelle, par exemple l'industrie est très en souci. Le fait d'empêcher les gens de circuler, lorsque vous devez par exemple vous rendre chez vos clients à l'étranger, faire de l'entretien, du montage de machines, c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que ça veut dire que votre client, s'il trouve une solution peut-être plus près de lui ou avec un pays qui autorise la circulation, il va peut-être y avoir recours. Et on le voit, pour notre industrie, c'est pas tout simple, en plus de la valeur du franc suisse qui reste tout de même élevée en comparaison internationale. Après, est-ce qu'on va assister à une vague de licenciements ces prochains temps? C'est une question qui m'est souvent posée, et comme je réponds volontiers, personne n'a annoncé les licenciements. Donc, je veux dire, je n'ai pas d'appareil contraignant pour dire aux gens, veuillez, s'il vous plaît, m'annoncer les licenciements. Qui plus est, vous imaginez bien qu'une entreprise ne va généralement pas le faire, sachant que sa concurrente va peut-être s'approprier le marché qu'elle va quitter. Donc, il y a aussi des problématiques simplement de concurrence qui jouent dans cette affaire-là. Mais d'une manière générale, je suis relativement pessimiste pour les 3-4 mois qui viennent, et je serai encore plus au fur et à mesure que les mesures de protection sanitaire seront durcies, clairement. Je me tourne vers vous, Thierry Apotello. Est-ce que du côté du canton de Genève, j'écoutais TTC cette semaine qui disait une augmentation du nombre de chômeurs parmi les jeunes. Est-ce que c'est des choses que vous constatez déjà ou Alors, une augmentation du nombre de personnes au chômage, oui, nous le constatons. On a une augmentation du taux. Mais il y a un autre phénomène qui m'inquiète, à l'instar de l'hospice, enfin de l'aide sociale. On a une augmentation du nombre de dossiers à l'aide sociale, très clairement. On a aussi une onde d'augmentation du nombre de mois à l'aide sociale. Et ça, c'est un des indicateurs qui m'inquiète le plus, parce qu'on peut considérer qu'un nombre peut être un peu variable en fonction de la dynamique économique que nous vivons. Par contre, effectivement, le fait que, et en particulier pour les personnes de 55 ans et plus, et les jeunes, 18-25, cette entrée ou cette période dans laquelle on est aujourd'hui est ou rend difficile effectivement des questions d'insertion sociale. C'est compliqué pour les assistants sociaux sur le terrain de continuer, puisque notre politique sociale genevoise a été orientée majoritairement sur des questions d'activation, c'est-à-dire qu'on te donne l'aide sociale, mais il faut que tu fasses un certain nombre de démarches si on est au chômage, il faut que tu ailles à l'hospice, et tu dois faire un certain nombre de démarches aussi. Et ces politiques d'activation-là, elles questionnent. Parce qu'évidemment, Ça devient compliqué à faire. Ça devient paradoxal pour les travailleurs sociaux de terrain de dire il faut continuer à faire un certain nombre de démarches pour l'emploi alors que la situation économique, en tout cas les patrons d'aujourd'hui, nous disent je ne vais pas engager du monde. Déjà, je vais tenter de ne pas licencier. Je ne vais en tout cas pas mettre dans un dispositif de stage, d'insertion, de penser un peu les éléments. Donc oui, pour moi, ça démontre une fois encore que notre politique sociale suisse et genevoise aussi, j'ai en tête le statut des indépendants. Dans notre loi sur l'aide sociale à Genève, on a une possibilité toute petite d'aider les indépendants. Il faut qu'ils donnent l'ensemble de leur contenu budgétaire, compte, etc. On prend des semaines et des semaines pour l'étudier, pour à la limite leur accorder un mois, voire deux mois d'aide. J'ai fait sauter ça parce qu'on a une augmentation conséquente du nombre de personnes indépendantes à l'aide sociale, mais les AS étaient pas, ils ne savaient pas comment faire. Ils ne sont pas des comptables. Donc on a dû les amener à bouger un peu le système, le contraindre un peu, et puis dire à l'hospice général, on l'a fait de manière tout à fait concertée, oui, il faut ouvrir l'aide sociale à Genève pour les personnes indépendantes, et puis s'adapter. On parlait d'agilité. Et c'est pour ça que quand je réfléchis à la nouvelle loi sur l'insertion et l'aide sociale à Genève, je veux amener des éléments aussi un peu d'actualité, que sont le statut des indépendants. Mais soyons clairs entre nous ici, la question fondamentale dont on n'aura évidemment pas assez le temps, donc il faudra nous réinviter tous pour un deuxième débat, c'est la question du travail et de son avenir. Puisque l'ensemble de notre politique sociale a été
pensée est autour du travail. Est-ce, quel est le travail et son futur d'aujourd'hui et de demain? Comment est-ce qu'on finance une politique sociale qui, dont un, le statut même du travail ou du travailleur et de la travailleuse n'existe plus ou difficilement? Alors, on ne va pas échapper à cette question-là, respectivement, et on a fait un débat récemment à la Haute École de Travail Social sur le revenu de base inconditionnel. Joël Libois, vous me disiez aussi, on entend ça, hein, des gens sur le terrain, des assistants sociaux qui sont obligés d'inventer parce que c'est trop rapide, c'est des situations qu'on ne connaissait pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement pouvoir davantage réagir à une situation qui bouge aussi rapidement? Les politiques sociales, ça met du temps, il faut se concerter, il faut dialoguer, faut, pour mettre ça sur le terrain. Et là, vous avez des gens qui, dans 2 mois, bah, risquent d'aller au Vernet. Alors, je crois qu'effectivement, on doit inventer. Je crois qu'aujourd'hui, les politiques sociales, comme on le disait, forcément, il y a des trous dans le filet. Et en plus, les choses bougent extrêmement vite. Alors, effectivement, le travail social, il s'occupe plutôt de là où il n'y a plus de travail. On est avec des populations et des populations de plus en plus importantes qui sont sans travail. Et je pense évidemment au chômage, je pense aussi aux populations vieillissantes et je pense vraiment à tous les jeunes qui s'inquiètent vraiment de trouver du travail. Et on voit les jeunes même avec des niveaux de formation extrêmement élevés qui vont passer de stage en stage et ne vont pas trouver de travail à durée indéterminée. Aujourd'hui, on voit très bien, les jeunes, ils sont vraiment dans des... Quand ils ont la chance d'avoir un travail, c'est du travail à durée déterminée. Donc, on est dans une vraie inquiétude, et je rebondis sur la question du travail dans l'avenir, hein, on est dans une vraie inquiétude autour de la notion du travail. Alors, les travailleurs sociaux, ils sont, eux, au front, finalement, effectivement, de publics qui ne voient pas tellement d'avenir, hein, qui sont vraiment dans l'inquiétude de l'avenir. Et puis, moi, j'aimerais quand même dire, effectivement, que les entreprises, et même les petites entreprises, elles sont extrêmement importantes dans le tissu social aujourd'hui, et que les jeunes, aujourd'hui, ils s'inscrivent dans le système des entreprises. On voit tellement de petites entreprises de jeunes où ils essayent de se débrouiller par eux-mêmes parce qu'ils ne trouvent pas de travail tel qu'on l'a connu, nous, que l'entreprise, effectivement, c'est essentiel. Mais là où il y a un problème fondamental, c'est la différence entre l'économie et la finance. Parce que de l'argent, il y en a, je m'excuse. Et quand on voit des richesses extraordinaires et qu'on se trouve dans une situation où on n'a pas de quoi finir la semaine, moi, je pense qu'on va avoir un vrai, je le redis, problème de cohésion sociale. C'est-à-dire qu'il y a une violence symbolique aujourd'hui pour ces gens qui sont tout à fait conscients qu'il y en a qui gagnent vraiment beaucoup d'argent d'une manière très rapide sur des schémas qui ne sont plus du tout sur les schémas du travail tels qu'on les connaît, et puis d'autres, une précarité qui s'installe dans des familles et qui est tout à fait insupportable. Donc il y a une violence symbolique dans notre société qu'on ne connaissait pas auparavant. La politique sociale, elle était là justement pour apaiser. Aujourd'hui, on est dans des écarts. La politique sociale ne pourra pas répondre à tout. Ce ne sera pas possible. Donc on va devoir inventer. J'aimerais encore juste amener un élément. C'est la question de l'aide sociale qui a été vraiment pensée individuelle. C'est-à-dire que on va, parce qu'on a un problème soi-même, dans notre parcours de vie, eh bien, on doit aller demander l'aide sociale. Or, on le voit très bien avec la pandémie aujourd'hui, et c'est peut-être une des bonnes choses de la pandémie, c'est qu'on n'est pas forcément responsable de ce qui nous arrive. Et on voit beaucoup, nous on a fait une recherche aussi sur le non-recours à l'aide sociale, on est encore dans une pensée en Suisse et aussi à Genève, que c'est une honte d'aller à l'aide sociale. Que c'est une problématique personnelle, qu'on n'a pas réussi sa vie et qu'on n'a pas le droit d'avoir cet argent-là. Et ça, c'est vraiment une problématique très forte. Et je pense que les travailleurs sociaux, aujourd'hui, ils s'intéressent énormément à travailler sur le contexte, à travailler sur les collectifs, à trouver des solutions qui sont collectives et qui sortent de la dynamique individuelle. Et là, je crois aussi qu'on a vraiment encore à inventer beaucoup de choses parce que ces personnes sont pleines de compétences. Et ces compétences-là, ils ont envie de les mettre en œuvre. Et c'est comme ça qu'ils retrouvent leur dignité. Ils ne sont pas heureux qu'on leur donne de l'argent pour faire quelque chose qui ne leur correspond pas et répondre à un faux projet parce qu'il faut répondre à un projet. Elles ont envie de produire des choses, mais il faut qu'elles puissent les produire en collectif. Toutes seules, elles ne pourront pas le faire. Justement, je rebondis sur la question du financement des politiques sociales et aussi sur l'avenir du travail. Il y avait une information qui a été publiée cette semaine par le WEF qui annonçait que d'ici 5 ans, le travail sera réparti à part égale entre machines et êtres humains.
une accélération de l'automatisation du travail et qui sera en partie due à la pandémie, ce qui pourrait affecter près, bon alors c'est des estimations, hein, ils jouent un peu à Madame Soleil, entendons-nous, mais 85 millions de postes dans le monde et nécessiter pour la moitié des travailleurs qui vont garder leur emploi une réorientation. Enfin, tous les spécialistes de l'intelligence artificielle nous disent qu'il y a une vague qui va arriver très rapidement, on ne sait pas quand, mais la seule chose qu'on peut vous dire, c'est que ça va être extrêmement rapide. Or, toutes nos politiques, elles sont basées sur une perception d'argent liée au travail. Si on a de moins en moins de travail, c'est une question qui se pose à la fois pour les politiques sociales, pour les entreprises. L'idée qu'il faudrait aller chercher cet argent ailleurs, qu'il faudrait aller le chercher peut-être dans la finance. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a gagné, je crois, en un quart d'heure 13 milliards. Je crois que ça correspond à 3 châteaux de Versailles en un quart d'heure. On est quand même... Bon, alors, c'est pas Genève, c'est plus loin, mais on est quand même dans un monde un petit peu fou. Est-ce qu'il ne faudra pas repenser... Vous secouez la tête, mais est-ce qu'il ne faudra pas repenser les choses? Je secoue la tête, c'est normal, je secoue la tête. Pensez que Jeff Bezos, il compte ses sous. Il est là avec des tas d'or. Tout l'argent est investi dans des entreprises. La question est de savoir si cet argent est investi correctement pour assurer de l'emploi qui soit dignement rémunéré, et si l'investissement qu'il fait dans le futur est susceptible de faire en sorte de nous permettre d'avoir une vie digne. Ce n'est pas que Jeff Bezos qui est dans cette situation. Alors, moi, je suis comme beaucoup, je pense qu'il faut faire très attention au monopole. Actuellement, le monopole GAFAM est un véritable danger. Les Américains, d'ailleurs, le voient bien. Ils avaient fait la même chose avec le pétrole à l'époque. Et il l'avait démantelé, ce qui avait d'ailleurs donné lieu ensuite à la création d'une multitude d'entreprises qu'on a encore sur le marché du pétrole maintenant. Alors, effectivement, moi je suis plus inquiet par le fait qu'il y ait une concentration du pouvoir autour de l'intelligence artificielle avec des dérives potentielles qui font d'ailleurs que l'Europe sera très mal placée. Je suis plus inquiet par ça que par les chiffres qui me sont annoncés. Quand on dit X vaut tant, il vaut tant s'il peut vendre son entreprise, s'il ne peut pas la vendre, ça ne vaut rien. C'est-à-dire, il y a une sorte de mystique qui vient de Picsou, je pense, de Donald, où on voit des tas d'or comme ça. Ce n'est pas la question qui est posée. Après, c'est une question du flux et de l'investissement que vous faites. Je ne suis pas là pour défendre Bezos, mais Bezos, c'est un type qui a une idée absolument géniale au départ. Je connais bien l'histoire d'Amazon, c'est pour ça que je peux en parler. Un type qui s'est tout d'un coup dit « je vais révolutionner la distribution ». Il a simplement introduit un modèle nouveau. Et quand on a eu la même chose avec Tesla, toujours à l'origine, ce sont des gens qui ont des idées qui sont révolutionnaires, qui sortent des schémas. Après, la question, c'est de savoir si la politique sociale peut véritablement ne pas casser les nouveaux schémas et permettre, au fond, aux gens de s'intégrer dans ces schémas. Là, on revient sur les questions d'évolution des formations, de capacité à aller plus loin avec ce qu'on a acquis. Alors, si vous lisez Laurent Alexandre, qui a eu l'amabilité de faire une conférence chez nous il y a 2 ans sur toutes ces questions, je pense que vous pouvez vous faire du souci. Si vous lisez l'OEF, vous en faites un peu moins. Et si vous lisez les estimations du Périté, vous êtes inquiet parce que c'est le Covid, et c'est ça qu'il faut traiter maintenant, et peut-être un peu moins inquiet à moyen terme parce que les chiffres sont plus rassurants. Mais c'est vrai, et je vous le concède volontiers, on est en pleine phase de transformation. Est-ce qu'on sera prêt à accepter cette transformation que les Américains et surtout les Chinois sont en train de mettre en œuvre, sans aucune espèce de considération d'ailleurs pour nos propres valeurs? Ça, c'est l'enjeu fondamental, plus que de savoir si on veut taxer la finance. Je vous assure que le problème est là. Je ne nie pas du tout le fait qu'il faut des équilibres effectivement dans nos sociétés, c'est pas ça. Mais moi, je verrais avec grand-peine encore une Europe qui a déjà raté largement les virages de l'intelligence artificielle, continue à se barricader en pensant qu'elle va vers un meilleur avenir. Moi, c'est mon véritable souci à l'heure actuelle, c'est ça. Le reste, bien sûr, fait partie des débats. Mais d'abord et prioritairement, si on loupe le virage de l'intelligence artificielle, de l'intelligence artificielle augmentée, si on n'est pas capable de faire comprendre aux gens qu'une partie de leur avenir se joue dans cette acceptation du fait qu'on sera à côté de la machine. Taxer les robots, c'est ce que le professeur Robertson a dit, c'est très joli, mais enfin, les robots, on voit des choses métalliques qui se déplacent, puis avec une voix éraillée. C'est pas ça, ça va beaucoup plus loin. Effectivement, c'est toute la numérisation des transactions sur laquelle on peut avoir des débats. Et moi, ça me paraît plus fondamental dans une perspective de dynamique de nos sociétés que se dire qu'il faut à tout prix aller chercher ça ou ça. Ça m'intéresse moins. Mais quand même, on est face à une situation qui est très inquiétante, avec un système, une grosse transformation du travail. Ça veut dire quand même des chômeurs en plus,
des gens à réorienter, il y aura un besoin de politique sociale très important, et en parallèle, on aura de moins en moins de gens capables de payer un impôt important. Est-ce que là, il n'y a pas quand même un problème de fond auquel on va être confronté sous peu ? Oui, enfin, écoutez, je ne vais pas monopoliser les paroles, je dirais simplement, faites attention de ne... Évidemment, de ne pas tuer la poule qui donne les œufs, hein, c'est tout le problème. Vous êtes dans un monde globalisé, la technologie, au fond, c'est rien d'autre que la traduction de cette globalisation sous une forme exacerbée. C'est rien d'autre que ça. Et donc, la transaction, à un moment donné, si vous voulez la capter, vous pouvez essayer de le faire, mais elle est captable par d'autres à très grande vitesse maintenant. Et c'est là qu'est l'enjeu, c'est à nouveau des enjeux d'équilibre, et surtout, et vous avez raison de l'avoir souligné, le fait que vous ne pouvez pas laisser des gens dans des situations de désespoir. C'est juste pas possible. Parce que ce désespoir, à la fin, c'est le désespoir d'une société dans son ensemble, et c'est quelque chose qui va nuire d'une manière générale à l'économie ou au bien-être général des gens. Donc voilà comment moi j'analyse la chose, si vous voulez. Je rappelle aux personnes qui nous suivent qu'ils peuvent nous envoyer des questions via les plateformes YouTube, Facebook ou sur le site d'UNIGE. Vous pouvez nous envoyer des questions que je pourrai poser à nos différents intervenants. Je me tourne vers vous, Jean-Michel Bonvin. Quand on est dans une période où il y a de tels enjeux, est-ce que, historiquement, vous me disiez, c'est souvent dans ces périodes-là qu'il y a des grandes évolutions au niveau de la politique sociale? Est-ce qu'on est, à l'heure actuelle, dans un de ces moments où il y a plein d'idées, à droite, à gauche, qui sortent parce qu'on sent qu'il nous faut faire évoluer ce modèle? Alors, c'est sûr qu'historiquement, les moments de crise sont des moments à la fois de grande souffrance et d'opportunité. C'est les moments où on remet en cause les modèles, les manières de faire habituelles et où on peut aussi se montrer innovant. On sait que la crise de 1929, avec le crash boursier et tout ça, est quelque chose qui a amené à l'émergence de la politique keynésienne, un État qui a intervenu plus fortement dans la politique économique et qui a aussi contribué à une plus grande prospérité économique de certains pays qui sont allés dans cette direction-là. On sait que la Deuxième Guerre mondiale a créé de très nombreuses souffrances et que l'instauration du droit à la sécurité sociale et son intégration dans la Charte des Nations Unies, la Charte des droits de l'homme de 1948, est aussi une conséquence de cette Deuxième Guerre mondiale. Donc la crise est un moment de grande souffrance, mais qui est aussi un moment d'opportunité où on peut innover, trouver peut-être d'autres solutions. Et cette crise-ci pourrait effectivement aller aussi dans cette direction. Il me semble que la réflexion qu'on doit faire, elle tourne vraiment autour de la question du travail. Et on a entendu que c'est quelque chose qui nous a occupés ici dans le débat que nous avons ici. Et on remarque qu'il y a des formes de travail qui... ne donne pas accès à des protections sociales, c'est ou moins accès à des protections sociales, c'est le travail indépendant parce qu'il n'est pas reconnu de la même façon, ce que Thierry Apotello a très bien dit, c'est le travail au noir qui, étant illégal et non déclaré, n'est pas reconnu et donc n'ouvre pas à des droits ou à des protections sociales quand il est perdu. On sait aussi que le travail qui apparaît toujours et qui est souvent présenté comme étant une solution à tous les problèmes peut aussi lui-même être un problème, hein, qu'il peut donner lieu à un manque d'épanouissement des travailleurs, à des formes de burn-out ou je ne sais quoi. On sait que le travail c'est aussi précarisé, c'est aussi fragilisé et donc que les gens peuvent perdre leur emploi et que l'emploi sur toute la durée de la vie est peut-être plus l'exception que la règle dans le contexte actuel. Donc tout ça pose la question du travail, des formes de travail qui ne sont pas reconnues, un travail qui n'est pas toujours épanouissant, un travail qu'on peut perdre plus facilement. Est-ce que le travail doit rester le levier ou le pilier auquel on va adosser la cohésion sociale, la protection sociale et la prospérité économique? Moi, à titre personnel, je pense qu'on peut réenchanter le travail. Je ne sais pas si la digitalisation et l'intelligence artificielle vont véritablement permettre d'aller dans cette direction-là, mais d'autres personnes pensent qu'il faut peut-être déconnecter le travail de la protection sociale. Ça veut dire donner accès à des droits, à des protections sociales, indépendamment du fait que la personne exerce un travail ou pas. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit la solution vers laquelle on va, cette crise a le mérite de poser cette question très fortement et de se dire, mais est-ce qu'il faut réenchanter le travail, refaire du travail un vecteur d'épanouissement, de droit, de reconnaissance des personnes, de solidarité sociale, ou est-ce qu'on se dit, tant pis, quoi, le travail, après tout, c'est une affaire de marché, et puis on va déconnecter les droits des personnes de la question du travail et essayer de les garantir indépendamment du travail. Il y a là un débat qui est fondamental et que la crise nous permet de poser. Et je pense que
La crise, c'est un moment où on peut innover, où on peut poser ce genre de débat, mais c'est aussi un moment qui est risqué. Parce que la crise, c'est le moment où il y a des discours populistes, idéologiques, qui peuvent émerger. Et à ce moment-là, au lieu de réfléchir sereinement et de manière informée, on risque d'aller dans n'importe quelle direction et de tenter n'importe quelle aventure, voire d'avoir des visions, vous voyez, qui sont extrêmement manichéennes, hein, comme on peut voir dans certains pays que nous connaissons bien. Et c'est un des espoirs que nous avons en tant qu'éditeurs de ce dictionnaire, de permettre d'avoir un débat raisonné et informé, et donc de permettre de faire de cette crise une occasion de réenchanter le travail, ou peut-être de trouver d'autres solutions pour permettre de mieux respecter la dignité des personnes. Je me tourne vers vous, Joël Libois. Est-ce que justement, les solutions macro, on sent qu'il va y avoir des débats extrêmement chauds autour de ces questions-là, mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux aussi d'expérimenter? Parce que finalement, autour de cette table, on ne sait pas comment sera le monde de demain, on ne sait pas qu'est-ce qui marchera, qu'est-ce qui ne marchera pas. On fait tous des conjonctures. Est-ce que de partir du terrain, d'essayer, est-ce que ce n'est pas le moment aussi peut-être pour tester des choses? Parce que durant cette crise, on a vu aussi des choses qui ont bougé très rapidement, qui ont été créées très rapidement, qui auraient pris des mois autrement. Cette agilité-là qui existe sur le terrain, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à en tirer pour petit à petit avoir des éléments pour changer le système peut-être? Alors, plus globalement. Je vous rejoins vraiment. Je pense qu'il y a énormément de créativité aussi sur des choses toutes simples aujourd'hui qui rejoignent la question du lien social. Comment est-ce qu'on construit du lien social? Comment est-ce qu'on invente des nouvelles choses dans les quartiers, dans des îlots, etc. Et là, il y a vraiment de la créativité à mettre en œuvre. Et il faut absolument qu'il y ait cette liberté-là. Et ça, c'est une des problématiques peut-être pour le travail social. C'est qu'il est extrêmement normé, le travail social. On a le sentiment, comme le disait M. Apotello au début, quand on a une image du travailleur social qui est avec des jeunes, cette image terrible du baby-foot, bien qu'il se passe beaucoup de choses autour d'une partie de baby-foot et qui est très importante. Mais il y a toute une créativité. Moi, j'aimerais insister sur le fait que ce n'est pas que la créativité des travailleurs sociaux, c'est la créativité des personnes. Et que c'est elles-mêmes qui peuvent amener des solutions, c'est elles-mêmes qui connaissent les problématiques le mieux. Et on ne leur donne pas assez la parole. On parle des invisibles, mais on parle aussi beaucoup des sans-voix. Et là, on a vraiment aussi une problématique dans notre société aujourd'hui, c'est que c'est quand même une société très individualiste, très individualisante, et que ces collectifs n'osent pas tellement s'exprimer. Et il y a un manque de reconnaissance, finalement, d'autres formes d'être ensemble, d'autres formes de collectivité qui pourtant existent, sont déjà présentes, sont sur les terrains. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à repenser le lien social dans l'idée de repenser comment est-ce qu'on vit ensemble. Donc ça rejoint fortement cette notion de cohésion sociale qui va être si importante dans les années à venir. Parce que ça va être très, à mon avis, ça va être très très compliqué de construire cette cohésion sociale. C'est un beau terme, on l'utilise énormément, mais dans la réalité du terrain, on voit des fractures sociales, beaucoup plus que de la cohésion sociale aujourd'hui, avec effectivement des risques de tensions qu'on voit autour de nous aujourd'hui et qui peuvent devenir de plus en plus fortes. Je parlais de cette violence symbolique que vivent les gens derrière ce manque de dignité, ce manque de reconnaissance. Donc je pense qu'on a vraiment tout un travail à faire, à se dire, c'est pas non seulement aller prendre soin des autres et finalement amener un définancement, c'est aussi comment est-ce que ces personnes-là peuvent s'inscrire vraiment avec leurs envies, avec leurs projets dans la société. Et c'est ce besoin d'être citoyen à part entière. Et ça, effectivement, on est plutôt aujourd'hui dans des multiples petites ruptures qui peuvent amener vraiment à des crises beaucoup plus importantes. Thierry Apotello, comment vous réagissez à ça? Parce qu'en même temps, il existe une masse d'initiatives partout, à droite, à gauche, d'ONG, d'associations. Enfin, c'est quand même foisonnant. Comment faire pour trouver ou pour peut-être soutenir ceux qui ont la bonne idée au bon moment? Pour être peut-être plus agile et pas devoir leur dire qu'il faut remplir tant de papiers, d'exigences, de trucs, et peut-être que dans 2 ans, on vous donnera une réponse. Enfin, je caricature. Hein. Un petit peu. À Genève, ça doit être autrement. Un petit peu. Mais au moins, ça illustre. Ça nécessite que nous nous posions sur un certain nombre de questions. Et la première, pour moi, c'est le rôle du service public, le rôle de l'État. Comment est-ce qu'il se positionne dans une situation de crise telle que nous la vivons aujourd'hui et qu'on va effectivement devoir gérer encore un bon moment, je pense en tout cas bien 2 ans,
Et comment s'allie le caractère associatif des initiatives avec le rôle de l'État ? Et je le pose d'autant plus parce qu'on a l'impression, comme ça, qu'au fond, les associations sont très agiles et l'État ne l'est pas. Or, je suis convaincu, dans ce que je vois, que la créativité, elle appartient aussi aux services de l'État qui, effectivement, doivent la traduire dans une base légale. Et si on est un peu plus libre aussi d'un certain nombre de contrôles et de surveillance à l'interne, ça permettrait un peu de se dégager. Mais la question, pour moi, elle est autour de la capacité de prendre des risques, la capacité de porter des responsabilités, d'oser, la capacité d'aller affronter, et quand je dis affronter, dans le bon sens du terme, c'est de poser un peu les choses. Pourquoi est-ce qu'on a une difficulté autour de l'image qu'on a du pauvre ou du précaire? Parce qu'il nous renvoie une image pas très aisée de l'activité de l'État et des failles qu'il peut créer par le monde du travail, le monde économique. Accepter de donner la parole à celles et ceux qui sont sans voix, c'est accepter de se faire interpeller par ceux-ci et celles-ci. C'est ce qui s'est passé au Vernet quand je discute avec elle. Comment ça se fait que, comment, et quelles sont les solutions que vous proposez? Comment est-ce qu'on imagine? Quand je lance une commission de réflexion sur l'aide sociale individuelle à Genève, j'invite le professeur Bonvin. Et puis j'invite aussi deux bénéficiaires de l'aide sociale à Genève pour qu'ils amènent des témoignages, pour qu'ils amènent un ressenti. Et je trouve que c'est très complémentaire. Ils n'étaient pas les seuls. Il y avait la vie associative, il y avait les écoles. Enfin, vous avez compris que pour moi, le souci qu'on porte, c'est de naviguer entre une forme d'agilité absolument nécessaire aujourd'hui et un carcan législatif qui est particulièrement difficile. Parce que de l'autre côté, quand on prend un certain nombre d'initiatives, on a des organes de contrôle qui nous disent taratata, comment est-ce que vous pouvez justifier que, comment se fait-il que. Et puis après, il y a tout le débat politico-médiatique qui se met en route. Et puis ça, on doit admettre que le courage politique de dire moi, je prends sur moi, on va faire en sorte que les indépendants à l'Hospice Général, on interprète. La possibilité de, alors on y va, mais parce que la situation fait que. Et donc, un, penser le rôle de l'État, deux, penser le rôle des associations. Moi, je suis aujourd'hui et encore plus stupéfait par le fait qu'on estime dans de nombreux cas que les associations sont faites et organisées pour assumer un rôle. Elles doivent faire quelque chose pour l'État, mais on oublie que le fondement même d'une association, c'est l'écho de la société civile. Et quelle est la place de la société civile dans les associations? Comment est-ce que dans un quartier, quand on a une maison de quartier, quel est l'effort que mène l'association pour aller chercher ces sans-voix? C'est difficile. Ça a toujours été pour moi, depuis mon activité à l'exécutif de Vernier, un élément central de fil rouge de mon activité. Comment est-ce qu'on va aller chercher ces personnes? Parce qu'évidemment, on a des personnes qui sont plus aisées à la prise de parole, qui ont peut-être plus de temps, plus de facilité à un apprentissage, mais tous les silencieux, toutes les silencieuses, comment on va les chercher? Comment est-ce qu'on les aide à formuler dans un monde qui est extrêmement normé? Enfin, on est rempli d'enjeux de ce type-là, qui sont passionnants à réaliser. On le fait quand on monte un projet avec l'UNI de Genève sur des tables de démocratie participative, c'était le cas. Quand on monte à Vernier des contrats de quartier qui permettent de mettre en œuvre des projets par les habitantes et les habitants, c'est ces petits trucs-là qui réhabilitent effectivement, pour moi, la place et le rôle essentiel des habitantes et des habitants dans le dispositif. On a des questions qui sont arrivées. Merci et n'hésitez pas à en envoyer, même si on arrive d'ici quelques minutes au terme de ce débat. La première, c'est une méta-question. Comment concilier rentabilité et responsabilité sociale des entreprises dans un monde globalisé? Ça, je ne sais pas qui peut répondre à ça, mais c'est en tout cas une bonne question. Oui, c'est une question d'ailleurs qui fait l'objet d'enseignements dans cet alma mater. Et comme dans beaucoup d'universités, d'instituts d'affaires d'ailleurs dans le monde. Et on a le privilège aussi de suivre des cours à l'extérieur de cette université, avec tout le respect que je porte à l'Université de Genève, au professeur Bonvin et à ses collègues, et en étant respectueux du fait que j'ai reçu
un enseignement gratuit, contrairement à l'enseignement qui est dispensé dans d'autres pays. Je crois pouvoir dire que cette dimension de la responsabilité sociale des entreprises est véritablement devenue une préoccupation globale. À l'époque où on opposait forcément rentabilité à dimension intégrative, participative de ceux qui faisaient l'entreprise en termes de résultats, c'est une période qui est passée. Donc on doit s'interroger, et on le fait en permanence dans les entreprises, sur cette dimension. Alors, encore une fois, ça va dépendre de la taille. Lorsque vous avez une entreprise d'une certaine taille, elle a naturellement des structures ou des gens qui se posent ces questions, et elle a un cadre d'action qui a été mûrement réfléchi. Quand on parle de PME, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est la raison pour laquelle nous sortons d'ailleurs notre deuxième brochure sur la responsabilité sociale des entreprises pour et par les PME. Quand vous prenez les apprentis, parce que là, on n'a pas parlé des apprentis, mais M. le conseiller d'État sera content de voir qu'on a le même résultat que l'année passée en termes de places d'apprentissage. Et sans notre engagement, et sans le vôtre, hein, on n'y serait pas parvenu. J'avais les pires craintes au début de l'été, mais c'est quand même une première réponse sur les problématiques de jeunes. Eh bien donc, je veux dire par là simplement que dans les PME, très souvent, on fait de la responsabilité sociale des entreprises, et on le fait presque naturellement et sans le savoir. On avait créé d'ailleurs des documents qui permettaient simplement de cocher si on était dans les critères de responsabilité sociale, sans avoir une bible de 300 pages à remplir, simplement par l'action qu'on menait. Et on s'est aperçu que les entreprises les plus performantes sont celles qui ont ces principes appliqués, avec à côté, mais ça fait partie de la responsabilité sociale, le principe de diversité dans l'entreprise. Vous n'opposez pas les sexes, vous n'opposez pas les couleurs, vous n'opposez pas les générations. Vous travaillez autour d'une communauté, et c'est la force de votre communauté qui fera votre rentabilité. Donc il n'y a pas d'opposition entre l'un et l'autre. Prenez ce qui était fait en matière d'environnement, où là aussi, aux côtés de l'État de Genève, d'ailleurs, nous avons été actifs depuis une trentaine d'années. On peut très facilement constater que par une approche environnementale de ces méthodes de production, on augmente sa rentabilité par une optimisation du traitement des flux. Souvent, ce n'est pas bien compris, mais ça l'est quand même de plus en plus. Alors, sans vouloir dire que tout fonctionne parfaitement bien, cette dimension de la responsabilité sociale des entreprises, à mon avis, est une réponse très importante à la question de la rentabilité. Et puis, une question qui nous servira de clôture à ce débat. La personne écrit, bonsoir, vous dites que des débats peuvent émerger. Le contrat social de Rousseau va-t-il tenir? Est-ce que ce qu'on vit, moi je me disais, c'est évidemment l'occasion de voir émerger des fractures sociales, mais c'est aussi l'occasion de prendre conscience qu'on est quand même tous dans la même barque, toutes les générations. Enfin, je ne sais pas, pour moi, ça a été quand même une sacrée prise de conscience à quel point on dépend les uns des autres. Alors, qu'est-ce que vous pensez, ce contrat social de Rousseau, quel avenir est-ce qu'il a? On peut faire peut-être un tour de table. Volontiers, je dirais quelques mots. Je pense qu'on est dans une période, comme on disait, à travers les crises, peut-être de renouveau, et qu'on est en train de repenser le contrat social, même pas de le repenser, c'est-à-dire qu'on va devoir le transformer. On va être dans cette transformation. D'ailleurs, combien de personnes disaient « j'ai envie de changer de vie » à travers cette crise du Covid? Ce printemps, c'était extrêmement fort. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui? Et ça ramène la question du travail. Quel rapport j'ai au travail? Je pense que le travail, vous le disiez, c'est un lieu d'intégration, c'est un lieu vraiment de construction de la personnalité. Mais on en a fait quelque chose de tellement formalisé, tellement qui prend la place entière aujourd'hui. D'ailleurs, quand vous n'avez plus de travail, vous n'avez pratiquement plus d'identité sociale aujourd'hui dans notre société. Donc on va devoir repenser vraiment, je crois, ce contrat social dans le sens de repenser notre rapport à la vie, notre rapport à autrui, notre rapport à la collectivité. Et là, il y a peut-être beaucoup de choses à inventer et ce sera peut-être des aspects extrêmement positifs de cette crise. Thierry Apotello, le mot de la fin, ça vous inspire, le contrat social de Rousseau? Oui, c'est un élément essentiel pour conduire une communauté. J'aime bien ce terme, j'y suis attaché. On parle beaucoup d'individuels, mais le collectif, il est aussi essentiel pour construire, effectivement, et le faire vivre, ce contrat social, avec quelques éléments forts. Oui, on était sur le même bateau quand on est en semi-confinement. Et vous et moi n'avons pas accès aux prestations qu'on avait l'habitude d'avoir dans le domaine culturel, sportif et autres. Mais il faut quand même aussi avouer que d'être confiné dans un studio à 5 ou 6 personnes, ce n'est pas la même chose que d'être confiné dans un grand appartement où on est tout seul.
Donc il y a la visibilité de ces inégalités qui se sont faites jour. Genève parfois découvre, parfois admet. Mais ce qui m'apparaît super essentiel de rappeler, c'est l'idée qu'on vit une époque difficile, qu'on arrivera à passer le cap si on se met tous sur un certain nombre de valeurs, à être d'accord, et puis à ne jamais imaginer qu'on puisse laisser passer, je dirais, des obscurantismes, des difficultés à tel point que la société se déchire. Et c'est vrai que dans une société dans laquelle on vit maintenant, le risque majeur, pour moi, il est dans l'espèce d'enfermement, de bloquer les frontières, et parle pas seulement des frontières de pays, mais des frontières humaines, pour se protéger. Je comprendrais, mais en même temps, on doit dépasser ça. Et du coup, pour moi, c'est l'occasion, et je terminerai par là, de créer de nouveaux repères. Moi, j'aime bien cette idée qu'on puisse contribuer à se dire il y a des choses qui évoluent, construisons ensemble de nouveaux repères. Blaise Matet, le contrat social de Rousseau est-il en péril ? Vous savez, j'ai une vraie passion pour Rousseau, et en même temps, j'ai trouvé, notamment dans Émile ou d'éducation, qu'on était dans quelque chose de totalement irréel. Alors, le contrat social de Rousseau, est-ce qu'il a jamais existé ? Est-ce que l'éducation modèle Rousseau a jamais existé, aurait jamais pu exister ? Je ne sais pas. Je crois que les objectifs doivent être toujours à la lumière de ce que les grands philosophes ont écrit. Rappelez-vous, la liberté d'expression, c'est plutôt Voltaire qui l'a défendue. Les modèles de Rousseau n'étaient pas forcément des modèles aussi démocratiques que ceux qui permettent à chacun de s'exprimer. Donc l'important est d'avoir ces repères à l'esprit et de se dire, au fond, quelles sont les meilleures façons de faire fonctionner l'ensemble des communautés. Cette notion de dignité humaine, qui est bien décrite dans le dictionnaire, d'ailleurs, qui est une notion délicate, difficile, et par exemple un des angles fondamentaux d'attaque pour pouvoir construire en permanence un nouveau contrat social. Il est clair que le contrat social a changé, les solidarités ne sont plus les mêmes. Les difficultés autour de la solidarité, de l'action de s'impliquer dans la solidarité sont réelles. Il fait partie d'une multitude d'associations, de quartiers, de parents, tout ce que vous voulez. La difficulté n'était même pas de se demander si on arrivait à sortir les gens, c'était de trouver des gens qui avaient pourtant voix au chapitre, qui veuillent accepter de jouer dans cette société où ils ont une parole, qui veuillent accepter de jouer ce rôle, d'exprimer la parole. Et pour moi, le plus important, c'est de ne pas se cacher là derrière, c'est de dire j'ai la faculté de définir ce contrat social, mais je dois y participer de manière active et certainement pas en me réfugiant derrière un écran. Et ce sera juste mon petit mot sur le télétravail pour dire certes, on a bien dû changer nos habitudes, mais on en a vu aussi un certain nombre de limites en matière de lien social. Et le contrat, par définition, c'est du lien. Et c'est la raison pour laquelle, même si on voit évoluer notre technologie à grande vitesse, et ça nous rend de précieux services, notamment pour contrôler des pandémies, n'oublions pas que le lien, quand il est concret, actuel, il est bien meilleur que quand il est totalement virtuel. Jean-Michel Bonvin, je me tourne vers vous. C'est vous qui avez dirigé la publication de ce dictionnaire. Alors, je ne sais pas s'il y a... On y parle du contrat social de Rousseau, mais en tout cas, on y donne beaucoup de repères, une histoire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît essentiel au moment où, justement, on essaye de tout mettre à plat, de reposer les bases, pour aussi comprendre qu'elles ont évolué, hein. Oui, alors je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Je crois qu'on est tous attachés autour de cette table, si on peut définir ça comme ça, à l'importance d'une forme de débat démocratique ou d'une forme de co-construction d'un contrat social qui serait en permanence à réinventer ou ce genre de choses. Mais c'est important aussi que ce débat se déroule à partir de repères, de fondements, de faits, d'arguments qui soient partagés. Moi, j'ai toujours cette crainte que un débat qui n'est pas informé, qui n'est pas raisonné, qui n'est pas argumenté, puisse aboutir à des dérives populistes et à des éléments, enfin, la montée des partis populistes qu'on trouve dans de nombreux pays est quelque chose qui a des côtés effrayants par rapport à ça. Et je crois que
Ça ne veut pas dire qu'il faut nier le débat. Le peuple est une réalité qui est extrêmement importante et qui doit être intégrée au débat démocratique, mais qui peut aboutir à des dérives telles que celles qu'on peut voir dans certains pays. Donc je crois que le plus beau garde-fou qu'on ait contre ce type de dérive, c'est la connaissance, c'est le dialogue, la délibération, l'argumentation, et arriver à le faire sur des bases qui soient des points de repère, des bases de connaissances, des arguments qui soient admis, et se mettre tout autour de la table en acceptant notre diversité, le fait qu'on n'ait pas tous le même point de vue, mais qu'on puisse conduire un débat raisonnable et pas un débat émotionnel et conduit par des arguments populistes qui ne sont pas des arguments à proprement parler. Je crois que si on arrive à faire ça, et si ce dictionnaire peut contribuer un tant soit peu à ça, ce sera la plus belle réussite qu'on aura pu avoir avec mes quatre coéditeurs, dont l'un d'eux est dans la salle ici ce soir. Merci beaucoup Jean-Michel Bonvin. Merci à vous tous, Joël Libois, Thierry Apotello, Blaise Matte. Et puis on rappelle ce dictionnaire de politique sociale suisse, publié aux éditions Seismo. Il a été co-dirigé non seulement par vous, mais Valérie Hugentobler, Carlo Knopfel, Pascal Meder et Uli Toglenburg. Je ne sais pas lequel est dans la salle, mais on le salue. Merci beaucoup aussi à UniGE pour son accueil, aux techniciens qui nous ont filmés. Merci aux éditions Seismo qui organisaient cette table ronde, et un bonjour tout particulier à Camille Sieg. Et puis à vous tous qui nous avez suivis depuis chez vous. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien grignoté, bu, mais surtout que vous avez bien réfléchi. On vous souhaite en tout cas un excellent week-end. Merci. Et merci à vous, Catherine.